Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur, lui dire, tu es à la bonne place. Oui, parce que d'autres ne sont pas là ce matin. D'autres n'ont pas pu. Mais toi, tu as la grâce d'être là ce matin. Tu as entendu ces témoignages édifiants. Des témoignages qui fortifient. Des témoignages qui restaurent. Des témoignages qui relèvent. C'est la grâce de Dieu. Et durant ce mois, nous parlons d'un thème spécifique qui est l'obéissance. L'obéissance à Dieu qui nous maintient dans l'établissement divin. Et depuis le mois de janvier, le Seigneur nous établit dans différents domaines. Alléluia. Il nous établit dans différents domaines. Et en ce mois de décembre, c'est l'apothéose. L'apothéose parce que Dieu nous demande, maintenant que cet établissement doit agir, il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. Vous savez, pour un enfant de Dieu, il est très, quasiment impossible de réussir ou d'avoir du succès dans la vie de tous les jours sans le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. Je n'ai pas dit amen. Pour un enfant de Dieu, je précise bien, je circonscris, il est quasiment, sinon impossible, de connaître le succès sans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une volonté que l'enfant de Dieu doit chercher à satisfaire. C'est la volonté de son Dieu. Alléluia. Il doit rechercher cela dans toute sa vie, à satisfaire, non pas sa volonté à lui, mais la volonté du Seigneur. Et en ce moment, il est sur la voie de la réussite, la voie du succès. Donc cela veut dire qu'un homme ou une femme qui a décidé de vivre selon le Seigneur, comme vous et moi ce matin, doit aussi, c'est un devoir. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à manager, ce n'est pas à marchander, mais c'est un devoir. Il doit aussi quoi? Il doit aussi obéir à Dieu. Alléluia. Tu as décidé de marcher selon le Seigneur, tu dois obéir à Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, papa m'a donné à peine 20 minutes. Alors je vais prier par la grâce de Dieu qu'en 20 minutes, je vais essayer de libérer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour vous. Alléluia. Alors top chrono est lancé, je vais terminer à pile. Gloire à Jésus. Alors, pourquoi obéir? Pourquoi devons-nous obéir en tant qu'enfants de Dieu? Parce que l'obéissance consiste simplement à laisser ce qui nous plaît. Quelque chose me plaît, je laisse ce qui me plaît de faire afin de me soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu intervient dans tous les domaines de notre vie. Au travail, à l'école, dans les études, dans la famille, au foyer. L'obéissance à Dieu intervient dans tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui est épargné par l'obéissance de Dieu. Alléluia. L'obéissance de Dieu intervient dans tes choix, dans tes décisions. L'obéissance de Dieu intervient dans tous les domaines de notre vie. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. Si tu n'intègres pas l'obéissance à Dieu dans ta vie de tous les jours, alors tu n'es pas encore sur le chemin du succès et de la réussite. Alléluia. C'est pourquoi on peut conclure, ça il faut le noter dans ton petit carnet, que l'obéissance à Dieu est une partie de Dieu en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une partie de Dieu en nous. C'est un trait de caractère que l'enfant de Dieu doit manifester dans toute sa vie. C'est un trait de caractère qui confirme la conversion de l'enfant de Dieu. C'est un indicateur spirituel qui confirme ton degré de maturité spirituelle. Alléluia. En réalité, lorsqu'on voit un enfant de Dieu et qu'on voit que c'est un enfant qui est obéissant, non pas aux hommes, Pierre pouvait dire, jugez par vous-même s'il est utile ou s'il est important d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Non, ce n'est pas de cela. Mais lorsqu'on voit un enfant de Dieu qui obéit à la parole du Seigneur, c'est un indicateur de la bonne santé spirituelle de cet enfant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons obéir.
En réalité, il s'agit de faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. Vous savez que l'obéissance coûte cher. L'obéissance a un prix et il faut payer ce prix. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, beaucoup d'hommes ont payé le prix fort parce qu'ils devaient obéir à Dieu. Certains ont connu la prison. D'autres ont connu la mort. Certains ont été persécutés simplement parce qu'ils devaient obéir à Dieu. L'obéissance est la porte qui nous ouvre la voie du succès. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Son serviteur Moïse est parti et Dieu choisit un successeur à Moïse. Josué 1, verset 8, il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car il y a une conséquence à ce que je viens de dire. Le Seigneur n'est pas jamais en vain. Lorsqu'il dit quelque chose, il y a toujours une conséquence. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. C'est alors que tu réussiras. » En réalité, l'obéissance à Dieu passe par l'observance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut simplement mettre en application la volonté intégrale de Dieu qui se trouve où? Dans sa parole, dans la Bible, de la Genèse, Apocalypse. La volonté de Dieu y est. Si tu ne connais pas encore la volonté de Dieu, tu ne sais pas où la chercher. Je t'informe ce matin qu'elle se trouve dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut méditer la parole de Dieu. Jour et nuit. Non seulement il faut la connaître, il faut la méditer, mais il faut la comprendre. Alléluia. Il faut la comprendre. Quand vous lisez Éphésiens 5, verset 17, est-ce qu'on peut nous afficher cela? Connaître la parole de Dieu et la comprendre. Comprendre sa volonté pour ne pas commettre des erreurs. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. En d'autres termes, ne soyez pas irréfléchis. Ne soyons pas irréfléchis. En toute chose, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous poser des questions. Nous devons réfléchir. Ça nous permet de comprendre la volonté du Seigneur. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu connais sa parole et tu comprends sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre ce matin que notre bénédiction est cachée dans l'obéissance. Dis à ton frère, ta bénédiction est cachée dans l'obéissance. Ta bénédiction est cachée dans l'obéissance, c'est tout. Ce matin, papa nous a dit que l'obéissance est le boulevard, n'est-ce pas? L'autoroute du succès. Donc quand tu es dans cette autoroute-là, Dieu déverse en toi les bénédictions. Et je vais terminer par là. Nous allons lire. Vous savez, souvent il est important de lire. Lorsque nous lisons la parole, Dieu nous enseigne en même temps. Le Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller, il nous enseigne en même temps pendant que nous lisons la parole. Et nous allons terminer, nous allons lire un texte. Il est un peu long, mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. 15 minutes. Deutéronome chapitre 28. Et on commence à partir du verset 1. Nous allons comprendre pourquoi nous devons obéir. Parce que derrière l'obéissance, il y a des bénédictions. On se plaint, je veux être béni. Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mon frère est béni, ma soeur est bénie, mais pourquoi moi? La clé est là. Si, conjonction de coordination, de condition. Le Seigneur met devant nous des conditions. Tu veux être béni, il y a des conditions. Il y a une condition. Ne regarde pas ton frère tous les jours, ta soeur, il est béni. Pourquoi il est béni? Il sait pourquoi il est béni. Il fait ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la domination, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici le secret. Le secret de la bénédiction. L'eau, si tu obéis. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque, conjonction de coordination de temps, le Seigneur associe ta bénédiction, un, à cette condition-là. Il faut obéir. Deuxième chose, c'est lié au temps. Tu dois éprouver, on doit éprouver, Dieu doit éprouver ton obéissance avant de te déverser les bénédictions. On doit voir que tu obéis. Le Seigneur doit voir que tu obéis à sa parole. C'est pourquoi il y a des épreuves. C'est pourquoi il y a souvent des tentations. Parce que Dieu te met dans les conditions où tu dois manifester l'obéissance. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et voici les bénédictions. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu va te laisser à cause de l'obéissance. Tu seras béni dans cette génération. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses, il n'y a rien qui soit laissé au hasard, seront bénis. Tes enfants seront bénis dans cette génération, jusqu'à la millième génération, à cause de l'obéissance que tu as manifestée. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénis. Le fruit de ton travail, ton panier, ton argent, tes bénéfices, tout seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ce n'est pas le diacre qui le dit, mais c'est la parole du Seigneur. Dieu garantit ta protection. Au départ comme à l'arrivée, il est avec toi. À cause de ton obéissance. Alléluia. Je vous assure, c'est un secret formidable. En fait, avec l'obéissance, tu ne fais pas d'effort. Il n'y a pas de prière de combat. Même si les ennemis viennent vers toi, tu n'as pas à crier, rabâcher, kéroba, se vous chasse. Non. À cause de ton obéissance, Dieu écarte tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire. Est-ce que tu as combattu ici? Tu as fait un effort? Sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et Dieu va les disperser par plusieurs chemins. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Voici ce que l'obéissance fait. L'obéissance est une puissance. Et c'est pourquoi Dieu peut parler à la bénédiction. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il va dire, hé, hey, bénédiction, tu vois mon serviteur, comment il obéit. Alors je t'ordonne d'être avec lui. Dans tout ce qu'il fera, dans tout ce qu'il va entreprendre, dans ses projets, dans sa vision, sois avec lui. C'est un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, on exécute. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira partout. Ce n'est pas seulement au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Aujourd'hui, tu es au Sénégal. Même dans ce pays, dans ton environnement immédiat, Dieu te donne la bénédiction. À cause de quoi? Ton obéissance. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Le Seigneur nous aime tellement. Et à chaque fois, il remet ses conditions devant nous. Tu seras, lorsque tu marcheras dans les voies de l'Éternel. Il faut accepter de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Sans effort. Voici le secret des autres.
Voici comment ils prospèrent. Parce qu'ils sont simplement obéissants. Ils obéissent à la voix de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent. Ils sont fidèles. Voilà, c'est le secret. Et alors, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Vous savez, l'obéissance suscite la crainte. Lorsqu'on voit un homme obéissant, un homme qui obéit à Dieu, mais il fait peur aux gens. Parce que les gens ne savent pas comment faire pour le déstabiliser, comment faire pour le faire tomber. On cherche des voies et moyens, mais il n'y arrive pas. Parce que cet homme qui obéit à Dieu est dans un couloir balisé, sécurisé par le Seigneur. Sans effort, Dieu disperse ses ennemis. Regardez, tous les peuples verront que tu es appelé au nom du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Ils vont te craindre à cause de ton obéissance. L'obéissance fait peur à l'ennemi. Alléluia. L'obéissance fait peur à Satan. Parce que lui, il a appliqué l'antithèse de l'obéissance. Il a désobéi. Et c'est pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Satan, Lucifer, a désobéi. Donc pour régler le problème de la désobéissance, il faut obéir. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien. Voilà. Tu vas prospérer. Tous les moyens financiers, matériels, tout, il te comblera. Tu vas nager dedans, dans des biens. Il va multiplier le fruit de tes entrailles. Tu auras beaucoup d'enfants, de génération en génération. Comme Père Abraham, il était riche. Hein? Le fruit de tes troupeaux est le fruit de ton sol, dont tes affaires vont avoir des bénéfices. Tes affaires vont prospérer. Tu as ouvert une affaire aujourd'hui, à cause de ton obéissance pour Dieu, tes affaires vont prospérer. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. On va terminer au verset 14, on continue. Hein? Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Chacun de nous là, il faut se créer un compte bancaire céleste. Oui, les comptes bancaires terrestres, c'est bien, mais ils sont périssables. Mais si tu as un compte bancaire dans le ciel, il va résister à la rouille et à la teigne. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Il fait pleuvoir son soleil de justice sur les bons et sur les méchants. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Voici le niveau où Dieu veut nous amener avec l'obéissance. Tu deviens une source qui donne aux autres. Tu n'empruntes plus de l'argent. Vous savez, lorsque vous empruntez beaucoup d'argent, vous rentrez dans ce qu'on appelle le cycle de la dette. Si vous ne sortez pas dedans, vous allez de dette en dette, vous vous endettez. Ça devient une spirale et il est difficile d'en sortir. Quelle est l'origine de cette affaire? Quelque part, tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Et ça, il faut être humble pour le reconnaître. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations. Oh, c'est merveilleux ce que nous avons entendu ce matin. L'Afrique doit être le continent qui prête aux autres continents. Les autres continents doivent venir s'emmagasiner en Afrique. Et nous n'en prêterons plus. Les prêts internationaux, les prêts que les États font, ça doit cesser. Parce que nous avons tout. Le sol africain est riche. Alléluia. Et nous avons tout pleinement en Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. À cause de quoi? Ah, sans effort. Sans effort.
C'est vrai, on dit ça tous les jours, hein. Seigneur, je suis la tête, non la queue, etc. Mais est-ce que tu obéis? Ça passe par l'obéissance. La tête et non la queue. Tu seras toujours où? Et non où? Ah. Et ça passe par l'obéissance. Lorsque tu obéiras, voilà. Conjonction de coordination du temps. Au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller vers, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. L'obéissance est rattachée à la fidélité à Dieu. À partir du verset 15, le Seigneur va nous donner l'antithèse de l'obéissance. Il va nous mettre en garde. Si vous n'obéissez pas, voici ce qui peut nous arriver. Mais aujourd'hui, tel n'est pas l'objet de notre thème aujourd'hui. Je voulais que vous puissiez lire la suite de ce texte à la maison. Vous allez vous rendre compte que ce passage va jusqu'au verset 20, verset 68. Les bénédictions, Dieu les a présentées du verset 1 au verset 14. Bien. Mais regardez, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, Dieu présente les éventuelles malédictions qui peuvent t'arriver si tu n'obéis pas. C'est long, hein, de 15 à 68. Il y en a comme ça, long comme ma main. Donc il est plus facile de faire de 1 à 14. Alléluia. Et je voulais t'inviter ce matin de faire de 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Tu t'arrêtes là. Ne regarde même pas le reste. Parce que c'est trop long. Le Seigneur aura beaucoup de travail pour te sortir de là. Alléluia. Alors, attelons-nous à obéir au Seigneur. Et Dieu nous ouvrira les portes de la bénédiction. Parce que la bénédiction est rattachée à l'obéissance. La bénédiction nous fait passer de rien à tout. De peu à beaucoup. Avec l'obéissance, nous avons la vie. Dieu nous conduit une comble de bien en abondance.